Yo, salut à toi derrière ton écran, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 14e manche de la Vroom Cup. Pour ceux qui se demanderaient, la 13e manche, je n'étais pas chez moi, du coup, j'ai pas pu y participer. C'était Monza, et voici à quoi ressemblent les classements pilotes suite à la 13e manche, du coup. Nous sommes en malheureusement 17e position, un peu loin, mais si vous regardez, le 11e, même le 10e, sont pas en si loin en soi en termes de points. Il n'y a que 11 points entre le 10e et moi, donc en soi on va quand même continuer à pousser pour essayer de remonter un peu tout ça. Et le plus intéressant, c'est au niveau du constructeur, vous pouvez voir qu'on est vraiment pas loin d'Alpine, et c'est ce qu'on va essayer d'aller chercher aujourd'hui. Alpine avec du coup qu'une seule Alpine sur la piste, celle de Xerox, quand Gokhan n'était pas là sur cette course, donc on va tout faire pour pouvoir dépasser Alpine au championnat constructeur. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve à Miami et vous allez voir que cette manche est assez particulière. Vous l'avez vu au titre. Je vous laisse regarder cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire et un like si elle vous plaît, bien évidemment. Bonne vidéo à vous. Ciao. Objectif, si possible, dépasser Alpine, ce serait bien là sur cette course. 8 points d'écart. Ouais, donc à nous deux, marquer 8 points. Contre Xerox. J'ai plongé beaucoup trop tôt dans le virage. Plus. Bon, je vais lâcher. Wow. Ah, le livreur il m'a envoyé en Mésopotamie. Oh là là, j'ai tout perdu. Ah, t'es gentil, mais j'ai tout perdu là. De ma faute? Non, du tout, j'ai pris le vibreur à droite, là il m'a envoyé en enfer, mec. Ouais, moi aussi j'ai perdu beaucoup de temps là-dessus. C'est un enfer. Et j'ai freiné trop tard, c'est pas grave. Je vais mettre le temps histoire d'eux, mais bon, pas ouf. Ouais. Là, si je rate le premier tour avec celui-là, je rentre direct. Oh là là. Ouais, spin 2x3 devant ma gueule. C'est un bon tour. En tout cas, pour moi, c'est un bon tour. Voilà, mais en 3, je suis 10e, quoi. Mon PB, c'est 0.0, hein, pour info. Ça, c'était un bon tour pour moi. Bah, elle a perdu le grip. Oh, j'ai freiné trop tôt. Oh là là. Ouf.
J'ai que le dernier virage pour me faire monter un peu mon temps. Moi, j'ai été trop précautionneux. Eh ben tant pis, ça restera à la 12e place, au mieux. 12e à 3 dixièmes et demi de mon PB. Le 27-0, il me place 7e hein, quand même. Hein. En vrai, c'est assez serré, mais c'est assez serré en étant dernier, quoi. En soi, il n'y a que 4 dixièmes entre la P5 et le P dernier. C'est vrai, mais au vu des secteurs, j'ai l'impression qu'il y en a, ils ont beaucoup moins d'aéro. Ouais, c'est pas impossible. Parce que je vois, premier secteur, on met 2-3 dixièmes, et au deuxième secteur, on se prend 3-4 dixièmes facile. Tout le monde va partir en hard, tu penses? Bah, je pense aussi, je vois pas pourquoi partir en med. Je sais plus combien il faut mettre essence ici. J'ai mis 0,4, j'en sais rien. Je crois que ça consomme pas mal. Ouais, je vais mettre 0,5. Bon, on est loin. La P5 est à 4 dixièmes sur un tour. En tout cas, sur mon tour à moi, donc tout est faisable en vrai. On va tout donner. Go la remontada, on va essayer. Minimum, vraiment, en grand minimum, les points. Ouais, et comme ça le dit sur mon chat, on est que 13, donc il peut avoir très peu de safety car comme rien du tout. Mais un incident aussi vite arrivé ici, les réaccélérations sont très capricieuses, donc... Oh, la vitesse de pointe de Hussain. Ouais, je t'ai dit, ils ont ils ont des setups vraiment très peu aéro. Ils sont partis avec leur setup comme ça ou comment ça se passe? Ouais, faut qu'il lâche, il a lâché. Pas le meilleur départ du monde, mais bon. Ah ouais, même Giggs, il me revient dessus, mec, c'est une fusée, quoi. Ouais, on va être hyper long, je pense, en ligne droite. Oula. Ouais, du coup ils sont super lents en virage. Bah ouais, je les rattrape facilement. Et par contre en ligne droite, y a aucune comparaison possible. On va devoir jouer le long jeu. Hein. Ouais, c'est visible. Hein. C'est abusé. Ouais, c'est, y a aucune comparaison. Même avec le DRS, il me rattrape. Hein. Je suis pas étonné. Oh, Jérém. Oh là là. Il y a eu un bout d'aileron par terre. Ah, Xerox, maintenant. Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai 2 secondes sur Giggs, mais... Faut jouer le long jeu. C'est ça. Essaye de rester au DRS, tranquille, te prends pas la tête. Oh, devant. Oh non! Ah ouais, j'étais hors piste du coup. Oh là là, c'est la loose. T'as cassé? Non. Les deux, ils se sont mis dehors après le DRS. Ouais, j'étais hors piste et j'ai accéléré trop, du coup, je me suis mis dehors aussi. Bon, bah fait chier. Le fait d'être hors piste. Bah fait spin tout simplement. De toute façon j'allais pas avoir de DRS donc j'allais quand même... Voilà en vrai mais du coup Xerox m'a dépassé. Xerox a pas l'air d'avoir de dégâts. Et on se bat contre Xerox donc faut que je finisse devant Xerox. Ouais c'est parti pour un contre la montre en hard les gars. Hein. Let's go.
Oh bah oh là là pour Zerok surtout. Non, je suis pas trop loin. Après le DRS il est pas non plus nécessaire parce qu'on n'ira pas fondamentalement plus vite. On va à peu près au même rythme Zerok et moi. Oh lolo. Je sais pas comment ils roulent avec aussi peu d'ailerons les autres. Hein. Vraiment. Ah bah c'est vrai que c'est encore fait une erreur. Ah il fait que des erreurs Zerok. On va avoir son DRS. Ah ouais il est en perdition ici. Par contre il a plus de batterie. Il a tellement une meilleure accélération que moi que pas de batterie ou pas. De toute façon ça change pas grand chose. J'aimerais aller le dépasser mais sans perdre de temps. Combien si je suis trop loin? Et sans trop utiliser de batterie aussi si possible. Oh, ça va. Oh bon, bah voilà. Bon. Voilà, hein. Voilà, voilà. Il est reparti. Ah, il y a Jérém qui a replanté sa Ferrari derrière. C'est bien parce que Jérém il va vite. Plus il se plante, plus je suis heureux. Ouf. 3 secondes pour Quentin derrière. X me revient dessus, je pense. La trop de vitesse au point, je serais pas étonné qu'il me revienne dessus. Il y a Tristan qui boxe. C'est le okay. Premier à s'arrêter. Je suis en 30.9. Vous êtes en 30.9 là? Putain. Bah, moi je vais pit ce tour pour couvrir Tristan. Ah, c'est dommage ça. Oh là, je perds tellement de temps. C'est pas cool. Un petit cut, c'est pas grave. Giggs et Quentin en pas box, c'est intéressant ça. Ok, stay clear of the white line on the exit. We'll receive a penalty for dangerous driving if you cross onto the track. J'ai vraiment mis 2% en un secteur là? C'est une blague. Wow, ok. Il y a Giggs qui rentre au centre. Il va avoir un tour de plus frais sur ses pneus. Mais regardez son delta à Giggs. Il doit utiliser de la batterie, mais certes quoi, enfin... Ça a repris tellement de temps. Ça va être compliqué de garder cette... P9 provisoire. J'ai amélioré d'une seconde 5 mon tour. Oh, je donne tout. Je donne tout ce que la voiture peut me donner là. Giggs, moi, on prend 5 dixièmes par tour. Oh, il y a un mort. Et sans. On va tenter les softs. Hein. Allô? Ouais, ouais. Safety car, du coup. Hein. Ouais, Tristan l'a perdu, premier secteur. Ouais, j'ai vu. Ah ouais. J'hésite à box. Je te conseillerais de mettre des medium 9, en vrai. Ouais, je pense. Que de toute façon, quoi qu'il arrive, tu vas rester derrière, donc au pire, tu vas perdre quoi? Tu vas perdre deux places. Non, tu vas perdre une place parce que Quentin en 8ème position va box. Axel, il va peut-être pas box, donc tu perds qu'une place pour des meilleurs pneus. Oui, surtout qu'Axel, il a box vraiment il y a 3 tours, tu vois.
Ouais, accès à la box star, ouais. Beaucoup à box, mais c'est pas impossible qu'il y en ait beaucoup qui boxent. Genre Lenny boxe là par exemple. Ouais. Moi je boxe. Mais des médiums. Ouais. Allez, go. Alors, juste en rouge. Ouf. Ouais, tout le monde en rouge devant. Mais ils ont pas vu que ça durait 4 tours avant de s'effondrer. Et encore 4 tours, je suis gentil. Hein. Par contre, ils vont être super fast au début. Ouais. Les médiums, c'est plus safe, hein, vraiment, je pense. Ah bah, je pense aussi. Hein. Rouge aussi pour Quentin. Oh là là, qu'est-ce qu'ils vont vite, mais les mécanos. Oh, ils sont sortis, frère, de descendre. Lenny en rouge aussi. Ok, ok. Donc, tout le monde a mis des rouges. Ah, quoique, les rouges, en vrai, même... Ouais. Liggs a pas pit. Je suis le seul en mettre. T'as mis des rouges Non, j'ai mis... Non, j'ai mis les médiums. Ah oui, et Quentin qui est en rouge. Moi, je vais peut-être... en vrai, là... Moi, je me tâte un peu, là. Robox, mais pas de suite. Toi, tu perds rien. C'est juste, si tu boxes prochain tour, tu perds face à Xerox. Ouais, mais c'est pas grave. Je vais gagner 4% okay, d'usure, même sous safety car. Oh. Ah bah, sympa, Lenny. Oh, tout le monde repasse la safety car. C'est quoi, ce merde? Ouais, faut repasser la C. What? En fait, je pense Lenny, il a dû se faire avoir par la SC, non? Je sais pas. Il a peut-être eu un rollback SC, du coup il a dû freiner et ça a fait un bug et la SC croyait qu'il fallait la dépasser. C'est bizarre. Sûrement. En tout cas, ouais. Du coup, il a spin avec des softs. Ouais, mais du coup, là, on s'arrête à quel tour là? Du coup, là, le temps qu'on récupère la SC, ce sera 24ème tour. Je peux box. Je peux box quand? Ça repart au 25ème normalement. Ouais. 26. 26? 27 au pire des cas, mais ça devrait repartir au 25 ou 26. Donc là, on va récupérer la safety car. Je boxe pas à ce tour, je boxe au prochain du coup. Je pense que c'est une bonne solution. Et Lenny rebox. Bah, du coup, ouais, hein. Il va rebox pour des rouges. Mais du coup, je suis 6ème, 5ème provisoire parce que Justin qui est 5ème a une pénalité. Vas-y, essaye de tenir tes pneus. Oh, la safety car, elle fait que bugger. Elle a encore le rollback. C'est une blague. On va finir sous safety car. C'est quoi ça? Mais on va pas pouvoir rebox en fait, on peut pas rebox là. Hein. Bah, la safety car, elle va servir à rien. Oh, Axel a été disqualifié. Ils sont disqualifiés. Ouais, parce qu'ils ont dépassé la SC. Mais quoi? Moi, je dois rester derrière la SC, moi. What the fuck? Ah, bon, bah, je boxe à ce tour, du coup. Ouais. Attention, mets-toi pas derrière la SC si elle... Décale-toi par rapport à elle, oui, si jamais elle rollback. Le Canada. Ouais, si jamais elle rollback. Bonsoir. On sait pas ce qu'on va faire encore, mais ouais, la safety car a bugué, encore une fois. On félicite Conlusters. Vous êtes disqualifié, vous, ou pas, aussi? Non, il y en a que deux qui ont été disqualifiés. Ok, merci. Et du coup, je suis 3ème provisoire, là. Ouais, mais est-ce que ça va tenir les résultats comme ça, ou est-ce qu'ils vont prendre avant la SC? C'est ça, la question. Bah... C'est pas question de prendre avant la SC, hein. Il y en a, ils ont des pénas, donc ils sont censés être derrière. Hein. On va voir si on relance ou pas. Parce qu'on était quand même au tour 23, donc je vous tiens au courant. Je check avec Maurice pour voir ce qu'il fait. Mais une course de 5 tours, ça va être n'importe quoi. Oh, la voiture est en trop. Moi, ça fait chier de terminer le spectacle comme ça, mais j'aurais terminé comme ça pour le cas. En gros, j'aurais pris pression avant la SC. Avec les pénalités, ceux qui oui, ont 3 ans, avec, ils sont avec derrière. Pénalité, enfin, en gros, le classement avant que tout le monde signe tous, et genre au moment où Tristan DNF, quoi. Avant que tout le monde boxe. Donc, je sais pas après, faut que je vois, là je vous annonce des trucs, mais je... Ouais, on verra. Je vois mal un restart, genre un vrai restart. Genre, je suis allé voir les pilotes. Ça, c'est un mec qui a mis start 100%. Ouais, mais je sais pas, mais c'est... Bon bah, on va faire comme s'il ne s'était rien passé, un point sans roule. Hein. Ouais. Ah ouais, mais les mecs ils ont trop pas d'aéro.
voulais même pas d'iPhone. Oh. Ça va? Ah, moi j'ai rien. Ok, clear. C'est Justin qui a spin tout seul. Il me laisse passer, c'est gentil ça. Petit point rapide, du coup j'ai regroupé tous les pilotes, c'est beaucoup plus clair. C'est aussi beaucoup plus simple. On comptait red flag la session complètement avec Boris et ne pas restart, afin de garder un classement logique et pas insensé après ce qui est passé. Je m'excuse évidemment pour la fin de la course, parce que évidemment c'est moi, je ne peux pas avouer que je perds ces 6 derniers tours, mais fuck les 32. Je pense que c'est plus juste de ne pas relancer. On sait que certains auraient bien aimé faire une 5 tours, mais ça permet pas d'appliquer. Ouais, une 5 tours, non. Non, 5 tours. Je pense que ça aurait été injuste après ce qui s'est passé. Ouais, clairement. Je pense plus juste de terminer après le tour 23. On va voir quel classement on prend. Je pense qu'il y aura une certaine logique. C'est-à-dire à partir du moment où Tristan a DNF, je pense que ce sera juste de ce style-là. On va en discuter avec les commissaires. Bah oui, au moment où la safety car reprend, ouais. Je m'excuse de pas pouvoir vous garantir une relance. Je pense que ce serait pas très juste. Et de toute façon, même pour ceux qui sont genre bah moi, enfin ceux qui sont en médium, ça va être compliqué, surtout pour une 5 tours. Exactement. Enfin, où faut faire partir tout le monde en non, c'est pas possible à faire une 5 tours, clairement pas. Bah voilà, c'est ça. Ouais. Et faire une course sprint, mais juste la course sprint et pas le. Enfin, non. Non, mais on n'a pas les mêmes choix de pneus et tout, on peut pas resimuler le truc, c'est pas possible. Pas mal, Xerox. Bah écoutez, on n'a pas de chance. On aurait pas pu marquer plus de points s'il n'y avait pas de bug de safety car. Bon, je vais finir la course histoire d'eux, mais pff, voilà quoi. Je vais lui faire un dive bomb. Rien à foutre. Mais... Hello! Buzz. Oups. Pardon. C'était trop tentant. Il l'a ouvert. Comment il va vite. C'est abusé, frérot. Oh, la différence de vitesse de pointe. Oh non, Guig. Ouais, salut. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de batterie. Peut-être que ça peut passer. Tu fous le RS. Batterie, DRS. J'ai du mal à le dépasser. Il est avec le setup Monzal, frérot. Oh, j'ai pas freiné. Oh non. Bon. Bah, je teste la vie. Bon, je pense qu'en vrai, on finit 9 du coup. On devrait finir 9. Mais le problème, c'est que... En fait, je vais vous montrer le problème, regardez. Il y a un problème pour moi. Après, ça dépend de comment ils vont faire le truc. Mais regardez, il y a un problème pour moi. Voilà, le classement, vous vous souvenez de Justin qui a... Enfin, de Quentin, pardon, qui a pas box. Il est à 5 secondes 3 au moment de la safety car. Donc, en soi, c'est ça le classement qu'on tiendrait. Il a pas box. Pour moi, il va pas finir 8ème, c'est pas possible. Donc en vrai, non, on devrait être 8ème du coup. On devrait faire 8 et 6, c'est Xerox 1 point. Moi, ça me va en vrai. Et du coup, des pénalités qui tomberaient. Non, Cry, du coup, il serait 5ème. 5ème du coup pour Cry qui dépasserait Justin. Quentin, du coup, qui a pas box. Donc moi, 8ème. Donc 5 et 8. 5 et 8 et Xerox 10. Non, en vrai, ça m'irait. Vous voulez savoir, les gars? Giggs sur Discord, il a dit quoi? Il est en 0-0. Voilà, voilà. Tu m'étonnes, il me traçait, genre. Tu m'étonnes, il traçait tout le monde, c'est fou. 5 et 8, bah, comme j'ai dit, moi, ça fait 10 points déjà. Toi, ça en fait 4. Ouais. Donc on passe devant Alpine. C'est ça, on passe devant Alpine. J'ai le classement sous les yeux. On avait 8 points de retard. Et Alpine toi, a marqué un point, là, du coup. Ça va, on remonte bien, malgré comment c'est parti. Ouais, c'était complexe. Ça, c'est sûr.